Salut tout le monde, c'est Sansa Fraser. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 11 du Let's Play sur Call of Duty. Donc, on continue. Oh, salut. Restez dans le fossé et ne relevez pas la tête. Ils ont posté des tireurs embusqués. Salut Pavlov, comment ça va? Je veux pas prendre du bidon d'essence. Tu sers à rien. Toi et aussi tu sers à rien. Oh, super. Kovalenko, vous êtes le plus rapide d'entre nous, alors vous servirez d'appât. Moi? Non merci camarade. C'est un ordre. Alexis vous couvrira d'ici avec le fusil à lunettes. Maintenant, allez-y, ou je vous descends moi-même. Il est sympa. Bon, on va se mettre. Oh, je l'ai vu. Il est où? Je ne le vois pas. Aïe, lui m'a vu par contre. Ah, je te vois. Mais je vois pas les tirs. D'habitude. Alors, non. Éclairage dynamique. Ouais, ça non. Détail modèle non. 5 images non. C'est bizarre. Je vois plus. J'arrive pas à voir les tirs. Ouais, non, c'est très bien comme ça. Ah, ça je l'ai vu. Ah voilà. Petite tête. Ah, je t'ai vu. Fous la paix à Kovalenko parce qu'il va mourir dans 2 minutes. Le pauvre gars, il a pas eu le temps de se mettre en position, il était déjà mort. Bon, il en reste un. Ah non, deux. Bon, t'es où? Je ne le vois pas. Ah, si, je t'ai vu. Ceux-là, ils sont chauds à voir, ils se baissent normalement. Toi, t'es là. Minen dans la neige. Kovalenko, t'es toujours là. Toujours vivant, et pour longtemps, je prends bien les médicaments. Ah. Kovalenko, non, mon ami. Il est pas là. Ouh, le son est un peu fort pour moi là. Ouais, c'est bien. C'est chaud à l'extérieur, mais voilà, s'il y a les mitrailleuses, mais une fois dedans, on est tranquille. Hop, tac. C'est la journée mondiale du casque qui vole. Ah, okay. On se baisse pas pour recharger. Le mec dans le fossé. Mais d'où ils sortent tous ces mecs? C'est d'où sortent tous nos renforts? T'avais quoi toi? Ah, il avait une pchit. Voilà, la pchit elle risque de servir. Pchit. Hop. Voilà, munition pour pchit. Alors.
Ah, c'était ce qu'il fallait faire. Oula. Faut arrêter de tout le temps recharger, même. C'est une manie de recharger chez moi. Je sais pas pourquoi, depuis que j'ai lu recharger avant chaque combat. Enfin, la première fois que j'avais expérimenté ça, bah ça m'avait pas donné des choses agréables. Voilà. C'est par là qu'on se barre, je crois. Bon, bah, elle aura pas fait long feu, mon arme. 2-3 tirs. Le mec, il a fait le pas de côté. Oui. Et non, j'esquive. J'esquive. J'ai pas le droit. Je t'interdis de te barrer. Moi qui tourne en rond. Ouais. Et là, c'est vide en bas. Hein. Cherche pas. J'ai mangé tous les beignets. Ça va les copains? Attendez. Il reste du monde là. Les gars, avant d'essayer de monter, je pense qu'il faudrait... Ah là, je suis bien nouveau balle. Je pense qu'il y a... Ouais, les gars, poussez-vous. Je fais tout ici. Alors, s'il vous plaît, faites en sorte de pas être devant moi pendant que je fais les choses. Voilà, merci bien. C'est gentil. C'est gentil. Salut, Terk. Oh, pourri. Poustez-vous. Cassez-vous les mecs, vous avez tous la même tête, mais... Il couvre une pièce à 15 mecs. Yo. On est dans la cité. Et on a les boules. T'as le droit d'avoir peur. Ah, à l'attaque d'un coup. Je crois que c'était moi qui me devais tout faire infiniment. Salutations. Et non, fallait pas recharger. Arrête. Merci. D'où ils sont les... Ah oui, d'en haut. Ah, il y a des mecs qui se tirent dehors. C'est les copains. Ah, loupé. C'est bon, je crois que ça suffit, on a assez de mecs. Oh, ils sont mignons, ils arrivent. Bon bah, je pense que tuer les potes, c'est comme dans les autres, c'est... Ça fait perdre la mission, donc on va éviter de faire du mal aux copains. Même si ce sont pas vos copains. Super, je l'ai loupé. Je voulais le tuer, mais il m'a pas laissé faire. Qu'il arrive. Il arrive, il est tranquille. Ça va les potes, ça pique les balles. Ça pique fort. Ouais, faites gaffe la grenade. Là, il y a du fusil. Ça, c'est du fusil de chasse. Il reste un étage. Mais c'est où? Si je te parie que c'est ça. Je parie que c'est là. Ah, c'est bon. Rejoignez Pavlov, quatrième. T'es où, Pavlov? Cassez-vous. On va compter tous ensemble. Alors, 0, 1, 2, 3, 4. C'est là. Camarade Alexis, on a des fusées anti-chars au deuxième et au troisième niveau. Détruisez les chars. Nous nous occupons des troupes. Attends, il y a un... Préparez les fusées anti-chars. Il y a un problème de texture, là. J'ai... Tableau de maximum. C'est bizarre, j'ai tout mis à fond et pourtant c'est pas à fond. Bon, en extra ça fait bugger, mais non, je peux pas. Fusil anti-char en deuxième, ok. Quatrième, deuxième. Alors il est où le fusil? Il est pas... Les mecs, vous avez oublié de le planter le fusil. Ah ça. Ouh, c'est quoi ce truc?
Au troisième, c'est juste au-dessus. J'aurais pas pu tout foutre au même étage pour qu'il se couvre simplement. Bon, mais non, c'est pas possible que les bâtiments jusqu'à que des unités à lui arrivent. Bah, tu devines d'où ils viennent. Salut. Oh, tu voles. Il s'envole. Casse-toi. Je travaille, les gars. Alors, rangez vos fusils. Vos fusils à billes. Et viens lui filer un coup de main. Sinon, on va crever. Et de quel côté? Je me souviens jamais de quel côté ils sont, les fusils. Non. Bah, si le char est là, le truc il est juste en dessous, non? Ah bah, je suis bête, c'est au troisième, là je suis au quatrième. Je suis monté d'un étage de trop. Ou alors je suis pas descendu. Ouais, fallait que je descende. Normalement il est là. Oh, t'es utile toi. Non, par contre t'as un bon vrai. On remonte. Excuse-moi, j'ai une petite balle dans le fessier, c'est sympa. Je me demande comment le mitrailleur il arrive à te détecter une telle distance. Parce que moi déjà de là j'ai du mal à avoir un mec avec le fusil à lunettes par moment. Bon, il suffira de tenir encore un peu. Voilà, sympa. Je me rends compte que je tire dans le vide. Ça pique. Oh, il peut crever. Ouais, grenade. Alors cette fois-ci c'est au deuxième étage, donc je descends. Troisième. Second. On fait un petit tour. Allez. 0 degré scope. Qu'est-ce que vous foutez chez moi? Ok, c'est très bien. Il est où le tank? Je puisse l'avoir. Ah c'est bon, il est là. Je sais pas. Le fusil anti-char PTRS-41. Hey, mais le PTRS-41 normalement c'est un fusil à lunettes, pas un fusil anti-char. Bon après tu mets ce que tu veux dans ton fusil, y'a que toi. Que toi que ça regarde, après si ça te pète dans les doigts. Moi je dis ça, je dis rien. Allez, 19 secondes, les renforts ils arrivent. Ouais, fantasy dili grenate. Ok, je vais l'avoir, je vais lui exploser le crâne. Viens ici, fromage. Hey, tu fais quoi toi? Sors de chez moi. Hop. Ouh, les balles qu'il y a ici, est-ce qu'il y a assez? Wow, ouais. Pour une fois qu'il y a suffisamment de balles pour tenir la MP40. J'ai pas mon PV. Ah, et renforçons là. On va battre les chars. C'est bon. Alexis. Salut. Le mec il vient juste d'arriver dans l'armée. Bonjour Alexis.
Allez, mission suivante. J'ai le rapport de vos actions avec la 13e division de la garde à Stalingrad et Kourtz. Vous avez eu de la chance d'être arrivé jusque-là. Sur plus de 10 000 hommes qui ont combattu dans votre division à Stalingrad, il n'y a eu que 260 survivants. Okay. En réponse à ma demande récente de renforts expérimentés, on vous a transféré pour aider les unités sous mon commandement. La présence d'un soldat avec un dossier comme le vôtre ne nous ferait que du bien. Durant les jours à venir, nous allons avancer dans Varsovie, en forçant les Allemands à se retrancher. J'envoie des troupes en tête de l'offensive dans les quartiers industriels pour vider les usines et les dépôts ferroviaires utilisés par les Allemands pour réparer leurs chars. Comme vous serez responsable de l'une des escouades dans la zone, vous êtes promu au rang de sergent. Wow, grade! J'étais subalterne et je suis passé direct sergent. Troisième armée de choc. Varsovie, Pologne, 17 janvier 45. 10h30 du mat. Mais c'est pas possible, c'est quoi ces pauvres? Même pas foutu de me filer suffisamment de balles pour tenir le combat. Ah bah ça pique les balles, ça pique toujours autant. Hop. Non, on peut pas aller nos stop. Hein. Couvrez-moi. C'est bon, il est mort. Maintenant on va chercher des munitions. Voilà, gros clodo. Ah, il a lâché son fusil sur la banque. C'est gentil. Oh shit. Crazy fool. Ouvre la porte, Kubazov. Toc toc toc. C'est le livreur de pizza. Que nos généraux foncent vers Berlin. Ah, pour les femmes et le champagne français. Le général qui arrivera à Berlin le dernier sera bon pour le coup. Et tout en temps, on sera rééduqué avec eux. Ah, oh. Ah ben personne. Ah si, j'ai vu une petite tête dépasser. Reste couché. Aïe, aïe, mais c'est pas bien de se mettre derrière les gens. C'est quoi ces manies? Bon, on va chercher une meilleure arme hein, pour l'instant. Comme ça, des munitions de... Non, laisse tomber, c'est une arme pourrie. On va garder la... La STG 44. Ouais, c'est ça, Volkov, court. Boum! Arrête, t'embêtes le monde, ça rame ici. Parce qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de santé. Ouais, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'items qui brillaient mais pas de manière synchrone. Ça faisait tour, mais bon allez les mecs, continue parce que c'est la guerre, frère. Il n'a pas le time. M'emmerde pas, Ben. Voilà. Alors, il y a toujours des serveurs qui tournent en multi sur ce jeu, mais sur la version avec le DLC. Le DLC qui possède également un mode histoire, mais je ne le ferai pas. Parce que comparé à celui-là, j'ai essayé en normal, c'est impossible, en facile, j'ai ensuite tué à peu près 10 fois. 10 fois. Par toutes sortes de... On se fait jamais tuer par un mec, parce qu'on est bien équipé, mais ensuite... Après, faut savoir que ça veut dire, bah, l'équipement. Il y a les mitrailleuses légères, ça c'est bien. Ouh, ça va mon pote? J'ai l'impression que t'as trop tiré, toi. Ah non, c'est bon, ça va mieux. Je sais pas pourquoi mais je suis pas bien quand je suis entouré de chars d'assaut. C'est quoi celui-là? Il est malade. Malade dans sa tête. Tête.
Le gars qui a pété les plans, lui il tire sur les têtes seulement. Moi s'il les touche, moi ça me dérange pas. C'est le coup de cadavre, pousse-toi, tu vois bien que je suis en train de travailler là. Ah, coup. Pourquoi il parle de guillotine celui-là? Ah, tête. Ah, tête. Raté. Tête. Pac, touché. Elle va me crier en perdant sa mâchoire. Salutations. Aïe, non, c'est pas le moment de recharger. Oh, les deux. J'ai traversé. Comme si j'ai une foule traversière. Ouais, me dis pas que tu connais pas. Salut. Regarde les fous, ils arrivent, ils ont tous des fusils. Qu'est-ce que vous voulez faire contre des mecs surarmés? Non, regarde, elle a déjà 2-3 mecs avec. On est déjà mort. Bon, laisse tomber. Je suis tellement passé devant vite que mes potes n'ont pas pu me suivre. Bouge pas hein. Ah, un mec là. Non, non, non. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Faut attendre qu'il n'y ait plus personne, voire même se coucher par terre comme un gros pleureux. Moi, c'est ma technique. Non, non, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je crois que j'ai trouvé la console du jeu. Donc vous pouvez voir que j'ai un build, voilà, à droite, vous pouvez voir que je suis en V1. Et là c'est tout les... Oh c'est super, il y a tout là-dedans. Ouais, très bien. Objectif issu, je crois. Ouais, normal. Hop, les... ouais, très bien. Gimme money. Please. Commande Gimme inconnu, ok. M'emmerde pas Ben. Non, on vient pas pour l'anglais. Eh oui, les mecs ils disent pas n'importe quoi juste pour avoir une boîte de dialogue quelconque, c'est... Ouvrez la fenêtre, voilà. Parce qu'il fait chaud là. Non. C'était pas drôle, ok, j'ai compris. Ni. Oh là, il y a des fusils et des mitrailleurs. Bon bah. Il y en a aucun qui vient m'aider moi. Là je suis mieux que dans la mission parce que là j'ai vraiment. Oh merde, excuse-moi. C'est l'habitude, dès que je vois une porte s'ouvrir, je sais pas pourquoi, mais j'ai une fâcheuse envie de tout dégommer. Bon, vous venez me filer un coup de main ou vous venez juste vous gratter les fesses comme les autres? Je le savais. Vise avant de tirer, idiot. Ah, sérieux, la pshh, elle est bien campée de près, mais bon, elle fait pas trop mal, quoi. Tu sais pas viser, c'est l'arme idéale. Où ça, grenade? Où ça? Ah, putain, j'ai vu un derge passer. Et alors? Foncez! Ouais, attends. Ah bah super, tu l'as eu, bravo, médaille. Médaille, médaille et médaille. Ah ok, il y a un passage par là. Ah mec, t'as pas l'air bien, mon pote. Laissez-moi passer devant, bande de zove. Ouh, la chance. On a vu le casque voler. Aux abris. Attends. Bon ben voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de... qui a duré pas trop longtemps, voilà. Bon, je vous dis, il n'y a pas un truc pour faire la safe state? Non. Ah, si, peut-être. Voilà.
Non. Et c'est quoi la dernière? À l'extérieur de Jinbo, ça va, c'est pas trop long. Bon, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. À plus tout le monde!